Alors, nous sommes à Saint-Germain-les-Vergnes, petite commune de 1000 habitants, et nous proposons aujourd'hui au public notre troisième salon du livre. Il sera parrainé par Magda Pascarel et Franck Minol, et notre invité d'honneur est Monsieur Pierre Belmar. Alors aujourd'hui, il y a une quarantaine d'auteurs qui viennent du Grand Quart Sud-Ouest et certains sont vraiment très locaux. Donc nous avons fait une part pour eux, pour les faire connaître d'abord parce que bon, ils ont besoin d'être médiatisés. Souvent, c'est leur premier livre et c'est quand même bien de les mettre en valeur sur notre commune. Voilà. On retrouve la fabrication du papier par Madame Elisabeth Niquez et Monsieur Jean-Pierre Boudouis. Donc eux, ils vont présenter la fabrication du papier. Donc c'est bien en osmose avec les livres, quoi, en fait. Cette manifestation est extraordinaire, c'est sa troisième année d'existence et l'objectif de ma présence aujourd'hui c'est de dire ben, voilà, la ville de Brive et en l'occurrence moi, adjoint au maire de Brive à la culture et moi en tant aussi qu'auteur, je soutiens les manifestations en ruralité parce que la ville-centre c'est bien, la culture n'est pas que dans la ville-centre et vraiment tous ces bénévoles, tous ces volontaires, tous ces auteurs qui ne sont pas habituellement forcément dans la lumière doivent avoir des espaces pour la culture et pour dispenser la culture. Surtout qu'ils partent de territoire, ils parlent vrai, ils nous représentent. Et c'est pour ça que je suis fier et honoré d'être ici. Oui, moi je suis très satisfaite dans la mesure où c'est un partage d'amitié et de convivialité par la mairie, etc., par tous les organisateurs ainsi que M. Dominguez. La fréquentation a l'air d'être en ce moment assez dense, oui. C'est un bon petit salon que j'aime bien revenir tous les ans. Voilà, c'est tout. Le livre a besoin de petits salons, c'est pas du tout péjoratif, hein, mais parce que c'est un village, en effet, Saint-Germain-les-Vergnes, avec des bénévoles, avec la municipalité, qui prépare ça depuis de longs mois. Et j'ai rencontré, moi, beaucoup de lecteurs qui me disent on ne va plus à Brive parce que c'est fatigant, parce qu'il y a beaucoup de monde. Et là, il y a, je dirais, une proximité beaucoup plus aisée avec les auteurs que dans un énorme salon comme Brive. Donc moi, je vais aux deux, et ça, parce que moi, mon plaisir, c'est de rencontrer les lecteurs. Alors d'abord, j'ai reçu un accueil vraiment tout à fait extraordinaire. Alors je ne fréquente en fait que des salons littéraires de village. J'ai été une fois à Brive, bien sûr. Mais Brive, c'est 150 000 personnes, vous voyez, c'est terrible. Bon. Et moi, personnellement, ça ne me convient pas. Le soir, je suis harassé complètement. Beaucoup trop de monde. Tant mieux pour Brive, la question n'est pas là, mais c'est vraiment très dur. Donc je préfère, moi, ces salons-là à dimension humaine, vous voyez ce que je veux dire, où c'est une clientèle donc de proches qui viennent voir les auteurs. Et ça, il y a une ambiance sympa qu'on ne trouve que dans ce genre de salon. Dans 20 minutes, je vais venir raconter des histoires qui sont toutes d'un certain auteur qui s'appelait Victor Hugo. Voilà. On a fait par s'ouvrir à son entrée une porte des cieux. Quand on a vu 16 ans de cet autre soi-même croître la grâce aimable et la douce raison, lorsqu'on a reconnu que cet enfant qu'on aime fait le jour dans notre âme et dans notre maison, que c'est la seule joie ici-bas qui persiste de tout ce qu'on rêva, considérez que c'est une chose bien triste de le voir qui s'en va.